Je trouve que tu l'as dit un peu vite, hein. Je trouve que tu l'as dit un peu vite. Le blessé. J'ai affiché le gagnant de la semaine dernière dans ma story Instagram. Et comme on fête les 20 000 abonnés très prochainement sur ma chaîne, j'organise un petit tirage au sort dans les commentaires de la vidéo. Pour gagner ton programme personnalisé, il faut que tu likes cette vidéo et que tu commentes quel est ton objectif pour cet été. Par exemple, moi, c'est prendre encore 5 kilos d'ici l'été. Pour le petit déj de ce matin, je suis resté sur un classique de ma prise de masse le matin. Moi, je suis quelqu'un qui a pas très faim. Même si j'applique pas mal de petites techniques que je vais vous donner après, j'arrive pas vraiment à manger beaucoup le matin. Du coup, j'ai mangé 3 œufs avec pas mal de fromage de chèvre par-dessus pour faire un bon total de prot. Et à côté, j'ai mangé 2 tranches de pain avec un petit peu de beurre margarine là-dessus. Et donc, ça fait un total calorique exactement qui s'affichera à l'écran parce que je me rappelle plus exactement. Mais voilà, pour le matin, en général, je prends ça aux alentours de 9h du matin. C'est l'heure du petit déj. Et en fait je me réveille un petit peu avant, genre je me réveille à peu près à 8h et quelques. Et pourquoi je me réveille à 8h? Bah c'est simplement pour prendre le temps d'avoir faim. J'arrive pas à avoir faim directement en me levant, je sais pas vraiment pourquoi. Mais voilà, du coup je me lève, je bois quelques verres d'eau, etc. Je prends même un petit café. Et ensuite 30 minutes à 45 minutes après, bah j'ai faim. Mais pour les personnes qui n'ont vraiment pas faim le matin, essayez de vous lever un petit peu plus tôt et commencez à être un petit peu actif dans la journée. Et vous allez avoir peut-être la sensation de faim qui va arriver. Sinon voilà, moi je prends un petit café et je pars faire une séance épaule. Le blessé, il ne s'entraînera pas aujourd'hui. Il ne pourra pas faire participer à la séance épaule. Qu'est-ce que tu penses du coup de ne pas pouvoir participer à la séance épaule? Ça fait mal. Ça fait mal ouf. Non, ça fait mal au cœur. Oh, regardez le pull. Dites dans les commentaires si le pull est incroyable. Moi je trouve que le pull est absolument incroyable. Alors c'est séance épaule aujourd'hui monsieur s'il vous plaît. Vous avez inventé un nouvel exercice? Nouvel exercice, du coup, c'est un biceps épaule biceps. Ne faites pas ça. Hein. Il faut faire ça? Est-ce qu'il faut faire ça? En vrai, là, je suis dans un basic fit où je ne suis pas d'habitude et la salle est vraiment incroyable. Je vous montre juste après, je vais vous faire un petit tour, je pense. Enfin, on vous montre aujourd'hui parce que je suis accompagné d'un grand guide. De s'entraîner à plusieurs, c'est que là on est en train de faire les épaules tranquillement, sagement, et là on est au banc développé couché et je vais tenter une barre à 100 kg, du coup bah on va tester. Alors seul point négatif, du coup il y a un seul banc pour faire les lombaires dans toute la salle, donc c'est un peu relou. Vous savez les bancs là pour faire les lombaires comme ça? En vrai, j'ai un peu mal aux lombaires donc c'est important. Attends, on voit que tes dents là vu qu'il fait un peu sombre. Bon allez, on va faire un petit coup de lombaire. Vous voyez, donc ça par exemple, faut pas faire comme ça. Vous voyez là il fait il fait un peu, voilà, bon. Ça on évite les gars. Ouais, je vais vous montrer comment on fait la série, attendez. Vraiment les bouffons qui vont à la salle. C'est clairement le meilleur physique de ma vie que j'ai actuellement. Certes, il est un petit peu plus gras que d'habitude, mais j'ai le sentiment de bien prendre en muscle pendant la prise de masse. Tu
vois cette transformation physique, c'est celle de Jérémy qui avait rejoint le programme Ananas en septembre. Et il a déjà fait des progrès de fou parce que mes programmes sont 100% personnalisés niveau entraînement et niveau alimentation. Donc forcément, vous progressez super vite. Pour choper ton programme, tu peux venir sur mon site ananasmusclé.fr qui sera en description et en fiche en haut à droite de la vidéo. En vrai, bilan Basic Fit, comment tu l'as trouvé le Basic Fit ? Il était incroyable en vrai. Incroyable ? Ouais. C'est vrai, Basic Fit, pour 20 balles par mois les gars, ouais, incroyable quand même. On peut s'entraîner partout en France. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Basic Fit. Basic Fit, sponsorisez-moi s'il vous plaît. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner, ça m'aide beaucoup. Parce que pendant un long moment, les épaules c'était clairement un point faible. Et depuis que j'ai mon nouveau programme et que je fais une séance vraiment dédiée aux épaules, j'ai l'impression que j'ai complètement rattrapé mon point faible. Donc voilà, c'est hyper intéressant, je pense, pour rattraper un point faible, les gars, de faire des séances spécifiques, c'est-à-dire de faire la séance où vous entraînez juste les muscles. Par exemple, si vous n'arrivez pas à avoir deux bras, genre vous trouvez vos bras nuls, pas assez musclé, etc. Et ben faites une séance spéciale bras, les gars. Je pense que c'est une des solutions qui sont possibles quand on a un point faible. Bon, du coup, les gars, on se retrouve là pour la collation d'après la séance, pour le goûter. Bon, ça sera un truc pour deux. En gros, vu qu'on est deux, je vais faire la recette avec les quantités doublées. Donc, vous prenez 5 œufs. Vous avez besoin de 5 œufs, donc d'une cuillère de sucre, je la prendrai après, et du coup de tranches de pain, et on va faire une recette tout simplement de French toast. C'est une sorte de pain perdu protéiné, donc. On vous montre ça tout de suite. Simplement être de prendre du pain. Donc vous allez prendre des tranches de pain de mie comme ça. Donc en général, moi j'en prends deux par personne. Donc là on va en prendre quatre vu qu'on est deux. Et ensuite vous allez tout simplement tremper le pain à l'intérieur comme ça. Vous allez bien tremper le pain et vous allez ensuite le faire cuire. Et ça sera nickel. Vous n'aurez même pas besoin de faire plus que ça. Donc voilà, vous trempez tranquillement le pain là-dedans comme ça. On trempe le pain, il faut bien qu'il avale l'œuf comme ça. Et ensuite, une fois qu'il a bien avalé l'œuf, on met tout simplement dans la poêle et on fait cuire comme ça. Et on a les mains bien sales. Du coup, là, je suis avec mon assistant qui va goûter les French toast. Donc, ça finit comme ça à peu près. Donc, c'est vraiment pas mal. En gros, c'est juste du pain avec un petit peu de beurre. Il aurait pas fallu montrer là parce que c'était un peu brûlé. Donc, vas-y, goûte en direct pour voir si c'est bon. Tu me dis ce que t'en penses. C'est très bon. Ah, en vrai, je trouve que tu l'as dit un peu vite, hein. Non, je trouve que tu l'as dit un peu vite. Non, c'est bien, non, c'est bon. Du coup, avec le pain perdu, je me suis fait mon petit shaker. Du coup, comme d'habitude, de chez MyProt. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc là, petite clearway comme ça. Et j'ai mélangé directement avec ma créatine que je prends tous les jours, plutôt après l'entraînement. Donc voilà, les deux produits que j'utilise en général juste après l'entraînement. Sinon là je vais vous mettre les images du training que j'ai fait hier, c'était un training dos et à la fin on a fait un petit peu de biceps, c'était avec Océan en plus donc c'est le retour d'Océan sur la chaîne, il y en a pas mal qui le demandaient, donc je vous mets quelques images du training et je commente ça avec mon petit micro histoire de vous faire une voix off un petit peu qualitative. Premier exercice, ça sera du tirage vertical. Le deuxième exercice de la séance, ça sera donc une machine de tirage assis. Là, c'est important de garder les coudes bien ouverts, comme ça, presque les monter un peu plus vers le haut. Comme ça, vous bossez les trapèzes correctement. Ensuite, je bosse un petit peu l'arrière d'épaule au poulie. C'est un exo qui est vraiment très important. Il ne faut pas négliger cette portion de l'épaule. C'est vraiment essentiel. Et ensuite, on enchaîne avec Océan directement au niveau des biceps. On a fait du curl marteau et ensuite, on a fait du curl concentré. Donc voilà pour la séance. Très prochainement sur la chaîne, je ferai ma première collab avec le youtubeur Im Tarzan. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne surtout pas rater ça. Aujourd'hui, tu as eu le droit à deux trainings, c'est donc une vidéo qui change un petit peu d'habitude. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as bien aimé et n'oublie pas de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Allez, à dimanche prochain mon ananas.